Michel Marie est avec nous. Merci Michel. Cette vidéo, je l'ai vue. Elle est insoutenable. Terrifiante. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Bordeaux quand on voit ça? Je vous jure, on devient fou. Je vous dis, on se dit, ce monde est fou. Alors. C'est exactement ça. Ces images sont extrêmement parlantes. Déjà, comment vont la petite fille et la grand-mère? Alors, physiquement, ça va. Mais elles sont extrêmement... Sont psychologiquement totalement détruites. Parce qu'en réalité, c'est une tentative d'enlèvement. Ouais. Il y a un vol et une tentative d'enlèvement. Et on le voit d'ailleurs très bien sur ces images. Il arrache le tour de cou de la grand-mère et en même temps, il prend la petite fille qui a 7 ans et il la soulève, il essaye de l'embarquer. Et à un moment, il laisse tomber quelque chose qui permet à la gamine de faire le tour. Il y a le chien qui aboie et elle réussit à se sauver. Et on sait également qu'il y avait une voiture relais, c'est-à-dire qu'il y avait une Clio noire qui attendait cet individu. C'est, à mon avis, une tentative d'enlèvement. Alors, c'est pas un quartier, c'est un quartier de Bordeaux tout à fait tranquille. Calme. Archibourgeois, enfin, alors, centre-ville de Bordeaux. Donc les intentions de l'individu, comme on l'a dit, ça semble être le vol et l'enlèvement. Oui, il fait les deux. Visiblement, oui, il est en repérage. La grand-mère amenait la petite fille chez son fils. Voilà. Et puis lui, on le voit mettre le pied, il a repéré, mettre le pied dans la porte. Comme c'est quelqu'un, effectivement, qui est très défavorablement connu, on voit effectivement tentative d'agression et puis volonté de, sans doute, de séquestrer. Ouais, alors, la famille, sachez-le, se dit indignée par la récupération politique. Ouais. Voilà, ils sont extrêmement choqués. On pense fortement à eux. Hein. Ah, oui. Sans récupération aucune, on ne fait pas de la politique ici, bien sûr. Mais je vais vous dire, on se met tous à la place de cette grand-mère. Ouais, c'est et vous rendez compte, c'est bouleversant, cette vidéo, elle est insoutenable. Alors, le suspect a été interpellé de manière musclée et compliquée, paraît-il. Oui, alors, la chance dans cette affaire pour la police, c'est qu'il y a un visiophone qui nous permet d'avoir ces images. Et ensuite, un témoin qui voit le suspect monter dans une Clio noire. Et après, c'est la vidéosurveillance de la ville qui va faire le reste du travail. D'ailleurs, les policiers, quand ils voient cette vidéo, ils reconnaissent instantanément un individu qu'ils ont interpellé à de nombreuses reprises. Un type qui a 15 condamnations à son casier judiciaire, il a 29 ans. Et depuis 2023, donc depuis quelques mois, à moins de 6 mois, il y a 3 dossiers, et des dossiers criminels, où il s'agit de violences, de port d'armes et d'agressions de policiers. Donc ce type est extrêmement dangereux. Il est né en France, il a une nationalité française, il a 29 ans. Je viens de le dire, il est lourdement condamné. Et donc l'enquête, elle est relativement simple, c'est par la vidéosurveillance. D'une caméra à l'autre, ils suivent en réalité, presque en temps réel, à la fois le véhicule et le personnage. Il est repéré sur une place, c'est la place de l'Europe. Et à partir de là, un équipage de la BAC, Brigade Anticriminalité, va l'interpeller. L'interpellation se passe très mal, il se couche par terre, refuse de monter dans le véhicule de police. Il a fallu, les policiers ont été obligés de le taser pour le rentrer de force dans le véhicule de la police. Alors, on parle d'un profil psychiatrique particulier. Qu'en est-il? Alors, la garde à vue a d'ailleurs été levée, parce qu'il a été placé en garde à vue en un premier temps après cette interpellation musclée. Mais le psychiatre qui est venu le visiter a considéré que son état n'était pas compatible avec la garde à vue. Et par conséquent, il a été pris en charge par un hôpital psychiatrique. Il a un lourd passé psychiatrique, au-delà de son passé judiciaire, et il était en rupture de traitement, c'est-à-dire qu'il ne prenait plus son traitement. Et ce type n'a aucun frein et fait absolument n'importe quoi. Et même, il n'est pas accessible à une sanction pénale, une fois de plus. Voilà. Par contre, il est en situation parfaitement régulière puisqu'il est né en France. Gilles. C'est les fameuses bombes humaines psychiatriques dont on parle ici depuis plusieurs cas. Ce qui est fou, c'est que cette personne qui a été diagnostiquée schizophrène, psychotique, troubles importants, etc., effectivement, risque d'échapper à toute sanction pénale. Or, il se balade impunément dans les rues, fait n'importe quoi. Il y a tellement peu de psychiatres
qu'il a arrêté son suivi. Tout le monde s'en fout et c'est des dangers mortels. Il y a plein d'affaires récentes où on trouve la même chose. Il faut d'urgence que ces soins soient imposés, que ces gens soient suivis et pas en liberté. C'est pas possible autrement. On peut pas continuer comme ça. C'est impossible. On en parlait pour l'agresseur d'Annecy. Bien sûr. On avait exactement la même discussion. Et les gens le voient. Quand on prend le métro, vraiment, hein, ce genre de profil, mais vraiment le même type, avec la chaussure qui brandit comme ça, en train de baver, des mecs qui crachent sur des femmes. Et tout ça, moi je l'ai vu de mes propres yeux dans le métro. Une femme se faire cracher dessus par un fou. Qui devrait être soigné, qui ne devrait pas être dans le métro, et il est dans le métro. Est-ce que c'est normal? Les gens le voient régulièrement, vraiment. T'as raison. Je vous assure. Alors, est-ce qu'il pourrait échapper à la justice? Alors, s'il est reconnu en termes d'abolition de son discernement, il y a deux nuances pour les psychiatres, c'est l'altération et l'abolition du discernement. Altération, c'est-à-dire une réduction de peine, abolition, il n'y a pas de procès. D'accord, donc... Il s'appelle Brahima B, c'est un homme de 29 ans, bordelais de nationalité française. Mmh. Et comme vous l'avez dit, des antécédents, 15 antécédents judiciaires, conduite sans permis, vol, violence. Il indique être suivi sur le plan psychiatrique et être en rupture de traitement. Il serait aussi sans domicile fixe. Hein. Mmh. Moi, je pense que la police, ils sont pas bêtes. Hein. Ils ont fait une enquête parce qu'il me paraît vraiment bizarre. On dirait un marginal, on dirait un mec qui est foutu, qui a plus rien dans la vie. Il y va pour enlever une petite gamine, apparemment, parce que c'est pour ça. Hein. Mmh. C'est très maladroit. Il hésite avant de rentrer. Après, une fois que c'est par terre, je fais mon enquête à deux balles. Hein. Mais le gars de la Clio, c'est qui ces gens-là? C'était qui le mec dans la Clio? Faut peut-être aller voir un peu plus loin parce que. Si on l'aurait payé pour faire ça, que ça ne m'aurait pas étonné tellement c'est un bras cassé. C'est tout à fait possible. Ça ne m'aurait pas étonné du tout, pas de la sec, comme dit Hugo, de la drogue ou boire de l'alcool. Ou un réseau de pédophilie, possible, mais pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance, l'individu qui était dans la Clio n'a pas été interpellé. C'est là qu'il faut chercher. Et d'ailleurs, quand le suspect, lui, a été placé en garde à vue, avant que le psychiatre ne le déclare incapable d'être en garde à vue, il n'a rien dit et surtout il niait les faits. Et c'est surtout quand vous nous avez expliqué. Là, on le voit, on le reconnaît bien et il a beau. Il n'était pas caché. Il dit, c'est pas moi. Il était sur une place en attendant qu'on vienne l'attraper. C'est quand même un peu. C'est gros quand même. Mais Michel, pour toutes les autres affaires pour lesquelles il a été jugé, à chaque fois il a été donc coupable ou il a été. C'est ça. Je ne sais pas le détail, mais en général, quand on parle de condamnation, il a été. Quand on parle de condamnation, c'est qu'il a eu une peine. Donc il a déjà été jugé. Tout à fait. D'accord. Donc là, finalement, maintenant, donc il a été 15 fois jugé, maintenant il ne serait plus jugé. Alors, sur le plus rien à perdre. Le petit truc sur lequel je m'interroge quand même, c'est qu'il y avait quand même une voiture qui l'attendait. C'est organisé. Donc c'est organisé, c'est ce que je me dis. Excusez-moi, moi, manque de discernement là-dessus. Il y avait une voiture qui l'attendait. Pas hésitant. Voilà, c'est pas un mec qui passait dans la rue. Après, on peut manipuler la schizophrénie. Oui, c'est ça. Oui. C'est bizarre. Oui. Oui, Gilles. Non, mais vous avez raison. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, il y a des gens. Lui, je ne sais pas dans quel état il était. En plus, il y a eu des condamnations pour stupéfiants, etc. Bon, lui, c'est quelqu'un qui est un habitué. Il a 15 condamnations, 20 mentions au traitement des antécédents judiciaires. C'est un habitué de la filière police-justice des interpellations. Et il est dehors. Il est dehors. Ça, c'est scandaleux. Est-ce qu'il ne sait pas, entre guillemets, jouer avec les psychiatres? Est-ce qu'il ne va pas tomber sur un avocat qui va dire appuyons là-dessus pour qu'il y ait une abolition ou altération du discernement? Il y a plein d'avocats qui jouent là-dessus en ce moment parce que c'est une faille de notre système judiciaire. Ils rentrent là-dedans et du coup, ils envoient les gens en hôpitaux psychiatriques plutôt qu'en prison. Et ça, ça ne va pas. Il faut vraiment se pencher là-dessus aujourd'hui. On le saura quand ça... Je suis pas les fous. Ouais. Dans les jours, voire semaines qui suivent, il y aura une contre-expertise psychiatrique. Il faudra qu'un autre expert le voie. Est-ce qu'il était sous produit stupéfiant? C'est probable, hein, ça ressemble un peu à un craqueux, ça, un mec qui prend du crack. Des mecs comme ça en liberté, il y en a plein. Hein, le problème, c'est la Clio. Et qui, au-dessus de la Clio, c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que mecs comme ça, à qui tu peux donner 500 balles, je suis assez va me chercher avec la gamine, c'est la Clio, je te donne de la coke, l'alcool. Ils ont interpellé le mec qui l'attendait. Non, ils ne l'ont pas. C'est plus ça qui m'intéresse, moi. Et au-dessus de la Clio, c'est quoi?